que tu m'ignores pas ce moment. Mais oui, peut-être des trucs, non, comme d'habitude, tu m'ignores. Ok. Demain, tu as pris 3 sacs, non? Okay. Et avant-hier, tu as pris les chaussures. Tous, c'était dernièrement, aujourd'hui, tu peux en faire. Mais moi, je te dis que c'est la boutique de ma tante. Oui, c'est la boutique de ta tante. Ça fait quoi? Je prends quelques trucs, non, je prends pas beaucoup. C'est ça que tu es ma reine. Oui. Mmh. Ok, je prends. Voilà. Why? Tu ne vois pas que ça est ma femme. Pourquoi il faut toujours que tu me déranges? Non, là-bas, c'est pour les enfants. Regarde ici. Là-bas, ici, c'est le cuir de piton. Tu vois le piton? Oui, ça vient de la Suisse. Ah, c'est même ma pointure. Tu es malade. Tu vois là-bas aussi. C'est la troisième fois que tu as envoyé l'argent et transport. Gars, laisse-moi m'accouer ça. Comment est-ce que c'est manga? Je pense aussi. Oui. Gars, voilà, tu dis que je voulais être la chute ici pour ma copine. Gars, laisse-moi ça. Le parfum. Oui, Paris. Ça vient de la France. Quand tu es même ici à Kondogo, l'odeur de celle-là que tu viens. Gars, c'est manga ici, gars. Ne touche pas comme ça. Blanche Bailey! Bon, je prends les lunettes en haut. Ah. Tu vas mettre tout ça où? Ok, je vais mettre le plastique. Elle est noire, elle est noire, tu l'as bien blanche. Ah, donc tu as tout prévu. Why? Gars, ce manga ici, gars. Je ne t'ai pas montré sa photo derrière. Elle a déjà fait. Gars, ouais, écoute, gars, ne me mets pas là les problèmes. Ne me mets pas là les problèmes. Hein? Prends ça. Mais ça, c'est la glycérine. Pour la peau, non? Là-bas, ce sont les mèches brésiliennes. Ce sont les naturelles. Hein. Ce ne sont pas les choses que les filles mettent dehors. Ah bon? Là. Oui. Donc, ça va bien m'aller, n'est-ce pas? Mm-hmm. Hein? Je suis sûr. Tu vas prendre ça. Je pense que c'est ce qui me plaît. Oh mon amour, c'est tellement mignon. Tu vois aussi l'autre là? Oui, je prends, non, mon chéri. Ça fait déjà beaucoup d'amour. Hein. Oui, ça fait beaucoup d'amour, mais non, tu ne m'aimes pas. Ok. Non, c'est bon, c'est bon. Là-bas, ce sont les couronnes. Tu disais que je suis ta reine, non? Moi, je prends la couronne, c'est bon. Ok. Ma reine, oh! Mon chéri. Même ça, tu prends. Oui, il n'y a pas non, bébé. Ça va suffire là-bas. Ça suffit. Ok. Ça suffit pour toi. Ouais. Ouais. Gars, ouais. Attendez, non, je viens. Gars, c'est mon bébé. Regarde ici. Ah, même une bière. Même une bière. Les gens sont là depuis. Oui. Tu poses ça. Prends. Je vais aussi une grande soeur en bébé. Tu as pris le sac de l'aimant aussi. Non? Ça, ce sont les sacs Louis Victor. Tu, un peu, tu as pris la même qualité. Non, la Louis Victor ne me plaît pas. Oui, ça va déjà. Ah, c'est joli. Oh. Ah, tu fais une robe de mariée. Oui, on loue. Si tu veux louer, tu veux un peu, non? Ouais. On loue ça. Et si on peut aussi vendre, si tu veux acheter. Je sais comment, non? Est-ce que le mariage est d'approche? Quand le mariage sera, on va non, acheter. Non, mon chéri, tu sais que j'ai une cérémonie samedi. Donc, du coup, je dois porter une robe. C'est toi qui tu te maries? Non, c'est ma cousine qui se marie et il peut falloir une robe. Comme elle aime grosse vantée là, tu vois un peu. Donc, tu veux aussi rivaliser avec elle. Tu sais que moi, j'aime la sang. Mais tu vas le mettre où? Le plastique est d'après. Gars! C'est ce qu'elle veut dire mourir. Attends, arrête un peu. Bébé Ariane. Hey, ça ne pèse même pas. Hey, attends, tu vas porter avec ça. Oui, je vais porter avec. Je pas avec. Porte alors. Ok. Ouf. Gars. Donne-moi le plastique. Tu as dit qu'on se voit encore le soir, non? Non, le soir commence à être trop long le soir. Donc tu vas, disons, à 13h. Voilà. Okay. Tout à l'heure, alors, mon amour. Okay. Je t'aime. Yeah! Bébé Ariane. Oui. Mon amour. Oui. Yes. Là, elle est comment?
C'est à vous. C'est Manga qui vous a expliqué. De... Moi, il faut que je lance. Voilà, je voulais alors la chaussure. C'est la première. Gars, easy. Et ça avait les chaussures et qui que tu veux partir avec. Ouais, la Manga. Donc, ouais. Ma tante me donne une boutique et j'ai moi, elle doit vous distribuer ça cadeau comme ça. La fille, si vient, c'est là, elle commence à t'embrouiller, elle prend les choses. Toi, tu te laisses faire. C'est bien. Ok. C'est ma femme. Pourquoi vous êtes toujours jaloux de mon bonheur? Donc tu crois que tu es beau? Je ne suis pas beau, mais elle a le charisme quand même. Tu sais ce qu'elle a pris? Tu te rappelles même de ce qu'elle a pris ici là? Bien sûr. Elle a pris la robe de mariage. Gaizi. Elle a pris la robe de mariage. Elle a pris la greffe brésilienne. Elle a pris les bijoux. Elle a pris le parfum. Donc je suis bête. Elle a aussi pris les talons. Gars, ne touche si tu n'as pas l'air, ne touche pas. Gars, comment toi tu chaînes déjà comme ça là? Quand je suis venu ici, avant que la fille n'arrive, tu m'étais d'accord pour me dire tous les trucs sinon. Mais les idées changent au fur et à mesure, gars. Je ne suis pas obligé. Vous avez dit que vous avez réfléchi. Je dis, d'après toi, si tu viens de dire que tu n'es pas bête, pour un homme qui réfléchit, quand une fille entre dans une boutique comme celle-ci, elle prend tout ce qu'elle a pris là. C'est pour faire quoi? Mais elle parle au mariage, non? Elle parle à la cérémonie de mariage de sa cousine. Ça veut dire qu'elle va faire quoi? Mais elle n'a pas assisté au mariage, on n'a pas fait qu'au mariage. C'est pour se marier. Se marier. Je trouve l'esprit. La fille ici va se marier. Elle est venue se ravitailler chez toi. Attends. Donc, ça veut dire que elle m'a volé. Elle ne t'a pas volé. Tu es bête. La go se marier comme ça. Elle a tout pris. Ça fait 7, tout. Et c'est maintenant que vous me dites ça comment? Quand je t'appelais ici là, tu me disais quoi? Laisse-moi tranquille, je suis avec ma go. Je vais te faire voir les choses. Donne-moi une chaussure, tu refuses. Et pourtant, je suis toujours. Reste tranquille. Tu cries par quoi à quoi? Là, il y a des problèmes. La fille n'a pas comme ça, elle ne va pas se marier. Et tout ça. Comment c'est maintenant que vous me dites ça? Pourquoi on n'a pas dit ça quand elle était là? Parce qu'on ne conseille pas un homme. Non, vous n'êtes pas les amis. Vous n'êtes pas les amis. Vous n'êtes pas les amis. Elle a dit qu'on devait se marier. La fille n'a pas comme ça, là, c'est par rapport au mariage. Là. Et ça me touche. Et il a aimé la fille. Là. Et moi, je n'aime pas ça. Vraiment, je n'aime pas ça. Elle a dit que j'attends quand on va se marier avant qu'on fasse l'amour. C'est ça que moi, j'attendais. Laisse-le. Tu prends dans les pattes ou quoi, gars? Laisse mes choses, gars. Laissez-moi. Sortez, gars, je veux pas. Oh, Yann, voilà le 152e message que je te laisse. Comme depuis un tapet, tu ne découches pas. Je te jure que si c'est vrai que tu vas te marier. Je vais te chercher dans toutes les mairies de Yaoundé. Je connais toutes les routes où les convois passent. Et si on te voit pas là-bas, je vais aller à la poste. Je sais que tu vas aller prendre les photos là-bas. Et si on ne te trouve pas, il va t'envoyer la maladie. Tu vas voir. Il va t'envoyer ton mariage, ne va jamais durer. Hier, a dit qu'elle venait à 13h. Nous sommes déjà à 15h aujourd'hui. On va te trouver.